Je me retrouvais destiné à aller au Québec. Je ne savais pas que c'était le Québec, d'ailleurs personne n'employait cette expression. Je partais au Canada, chez les Canadiens français. Et je suis arrivé à l'aéroport de Dorval le 8 janvier 1960. Il y avait deux collègues qui m'attendaient. Un que je connaissais bien, c'était Guy Dubreuil, et un autre que je ne connaissais pas et qui est devenu par la suite un très cher ami, Denis Zabot. Ils étaient tous les deux jeunes. Zabot avait exactement mon âge, Dubreuil avait 2 ans de plus que moi. Et ils m'ont conduit à Montréal, mais d'abord il a fallu que je passe la frontière. Donc quand je me suis présenté à la douane, pas à la douane, au contrôle, on m'a demandé, vous venez pourquoi? Vous faites du tourisme? J'ai dit non, je viens donner des cours à l'Université de Montréal. Ah, mais vous n'avez pas de permis de travail. Donc vous ne pouvez pas... Il faut que nous me mettions en détention. Et ma première expérience du Québec, c'était d'être mis en détention. Mais Dubreuil lui a dit, oui, mais il doit enseigner. Mais écoutez, il sera détenu chez lui, il n'aura le droit d'aller que de chez lui à l'université, jusqu'à ce qu'il ait le visa d'immigré reçu. Alors, bien entendu, c'était une façon astucieuse de contourner la loi. Je n'ai pas bien... compris pourquoi je prenais tant d'itinéraires différents pour aller à l'université, mais ça m'a permis de voir Montréal en même temps. Et un jour, j'avais eu mon visa d'immigrant reçu, et puis tout s'est réglé. J'étais d'ailleurs très choqué d'être un immigrant. Moi, je ne me voyais pas comme un immigrant, je voyais quelqu'un qui vient volontairement. Et pour moi, un immigrant, c'est quelqu'un qui vient pour se fixer parce qu'il est mal chez lui. J'étais très bien chez moi, je venais ailleurs pour voir, parce que je voulais faire de l'anthropologie, je ne venais pas pour le Québec, je venais pour l'anthropologie. Mais j'arrivais dans le Québec, et j'arrivais à une période extraordinaire, ça je ne le savais pas. En fait, ma venue était un des petits symptômes de cette période, tout petit. Nous étions à l'amorce de la révolution, de ce qu'on appelait d'un très beau nom et très adapté, la révolution tranquille, quand on voit ce que sont d'autres révolutions. Celle-ci était admirablement tranquille, et elle traduit quelque chose de très profond dans la population, qu'on a appelée depuis québécoise. Qui est véritablement un désir du changement, mais un refus du conflit. Et là, j'ai eu cette chance d'arriver à ce moment-là, d'arriver quand Jean le Sage commençait à débloquer la période de la grande noirceur de Duplessis, où les premières voix pouvaient se faire à grand jour. J'ai été très rapidement, grâce à Guy Dubreuil, et par mon rôle d'enseignant de l'anthropologie, au contact de quantité de choses et de gens. Il y avait le groupe de Cité Libre, Jacques-Henri Pin, Pierre-Éliott Trudeau, Gérard Pelletier, avec lesquels je suis assez vite entré en contact. Il y avait aussi les premiers enseignements que j'ai été amené à donner à l'université, sous l'impulsion d'un des grands facteurs de changement qui a été le développement de la faculté des sciences sociales. Et cela ne s'est pas fait sans intention de changement. Il y avait à ce moment-là, à l'Université de Montréal, un recteur, homme apparemment plein de componction et de modestie, mais d'une volonté nationaliste farouche et d'une vision très large et haute de l'université, Mgr Irénée Lucier. Car l'université, ne l'oublions pas, était à l'époque une université pontificale. Comme disait Dubreuil, « My boss is a pope ». Et c'était le cardinal Léger, archevêque de Montréal, qui était le chancelier de l'université. Et en tant que tel, il avait le pouvoir de filtrer les profs qui entraient, les matières qui s'y enseignaient. Et c'était pas de la la seule philosophie qui était acceptée, c'était le thomisme. On ne pouvait pas enseigner d'autres philosophies. Et l'anthropologie, bien entendu, était une discipline qui n'existait pas. Il y avait un département de sociologie,
Mais à la tête du département de sociologie, c'était l'abbé Norbert Lacoste. À la tête du département de psychologie, c'était le père Pinard, pardon, et ainsi de suite. C'était véritablement une entreprise religieuse. Laval était beaucoup plus autonome déjà, beaucoup plus laïcisé, d'une certaine façon, mais laïcisé par des gens qui, alors, dans leur for intérieur, n'étaient pas vraiment laïcisés. À la différence de Montréal, où elle était cléricalisée par des gens qui, leur for intérieur, ne l'étaient pas. Et du coup, il y a eu une dynamique à Montréal qui s'est faite plus tardivement à Laval. Alors, il y avait cela dans la société. Il y avait aussi cette immense aspiration de jeunes gens qui étaient formés uniquement dans les collèges, du collège classique, avec une excellente formation littéraire, classique, etc., comme les meilleurs lycéens français. Gilles Dubreuil, encore pour moi, est un exemple. Avec lui, je pouvais parler de toutes sortes de choses. Évidemment, les livres à l'index n'étaient pas accessibles à ses élèves. François Mauriac était à l'index. Il fallait le lire clandestinement. Je veux dire, c'est des choses dont je pense que beaucoup de jeunes actuels ne sont même pas conscients que ça s'est fait dans la durée d'une vie humaine, puisque je n'ai pas dépassé la durée, j'ai dépassé la moyenne d'une vie humaine, mais pas le maximum. Donc, cela veut dire que vous avez eu là tout un changement majeur dont une partie est l'expression de potentialités latentes et d'autres, ce sont des possibilités qui sont nées par la suite. Alors là, ça me permet de faire une incidente, si vous la permettez. C'est l'avantage d'avoir vécu longtemps. Chacun de nous aime comprendre les tenants historiques des événements qu'il vit. Mais bien souvent, il faut qu'il le trouve dans des documents. Que de fois sur des terrains où j'ai fait à la Martinique dans les années 60, je n'ai pas besoin d'aller chercher des documents sur l'évolution, par exemple des plantations en 60, 70, 80, 90, etc. Je fais appel à mes notes et à ma mémoire. En quelque sorte, j'ai mes archives intérieures qui me permettent de déployer une profondeur historique sur les choses, privilège de l'âge, à condition que l'âge ne soit pas accompagné des déformations de la mémoire qui risquent toujours d'entacher les souvenirs et qu'il faut quand même contrôler parce que, on le sait, les souvenirs toujours sont biaisés. C'est là, je reviens à l'intérêt des journaux qui, eux, ne sont pas des souvenirs mais sont des vrais témoignages. Alors, je fais cette parenthèse, mais c'est parce que cela me permet de retracer certains aspects de cette période en témoin. Témoin non seulement des événements, mais de leur suite. Car c'est la suite qui, rétrospectivement, donne le sens aux choses. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire véritablement une histoire du temps présent, puisqu'on ne connaissait pas ce qui sera important pour l'avenir dans le temps présent. Mais là, nous pouvons savoir ce qu'il y a d'intéressant pour l'avenir qui a suivi, d'un temps que je remets au présent en parlant, le temps du Québec, donc, quand commençaient à se faire des protestations, quand on voulait réformer l'éducation, mais où le ministre Gérard Lajoie a juré, non pas ministre de l'époque, il n'y aurait jamais de ministère de l'Éducation au Québec, car la conférence des évêques s'opposait formellement à cela, où cependant des pressions se faisaient dans ce sens. Il y avait donc au Québec des forces, le comité d'action laïque qui s'est formé à l'université. Je me souviens de soirées dans le centre social de l'Université de Montréal avec Gérard Pelletier, je crois que s'appelait Maître Blin, je ne suis pas sûr, celui qui avait présidé cela, des tentatives de toutes sortes, des mouvements, le groupe Cité Libre, bien entendu, aussi, et puis la première émergence de ceux qui ont fondé la revue Parti pris. Pierre Maheu, Chamberlain, tous ces gens-là. Et il se trouve que le seul fait d'être anthropologue avait suffi à m'introniser auprès de ces gens-là comme un partenaire possible. Je n'étais pas à l'époque un esprit très ouvert, j'ignorais tout cela, le Québec, je ne le sentais pas encore. Je commençais à le sentir par un mélange de choc affectif positif et d'irritation devant certaines attitudes, notamment
que je ne comprenais pas. Mais il y avait tout ce mouvement et qui était en même temps un appel intellectuel. Et c'est à ce moment-là que j'ai été invité pendant une semaine ou deux, je ne me souviens plus, à enseigner à l'Université Laval, l'anthropologie. J'avais des élèves comme Paul Charest, des gens comme ça. Et c'est là que j'ai connu Fernand Dumont, Marc Adélard Tremblay, Gérard Fortin, et tout ce groupe d'intellectuels qui étaient, eux, beaucoup plus avancés intellectuellement que ce que je rencontrais à Montréal, mais qui étaient en même temps des petits-enfants bien sages de la société et qui se sentaient quand même aussi, qui savaient qu'ils étaient des gens de qualité, c'était des gens de qualité. Dumont, Tremblay, c'était pas n'importe qui, mais on sentait bien qu'ils étaient un peu étouffés, un peu... Ils étaient non pas des leaders comme peuvent être des intellectuels, mais plutôt, comme disaient les Espagnols à partir des intellectuels, los minores, la minorité. Et cela se sentait aussi, mais ça a été pour moi quelque chose d'important de les rencontrer, et ça m'a donné, d'ailleurs peu de temps après, Mgr Vachon, le recteur de l'université, m'a proposé de venir, mais venir à Montréal, c'était déjà loin, mais aller à Québec, c'était vraiment trop loin, en quelque sorte, trop froid, bon... Tout en admirant l'université, j'ai préféré rester à Montréal. Alors, donc, il y avait tout cela. Et a émergé peu à peu un mouvement, je passe un peu rapidement sur le temps, a émergé un mouvement politique lié à un mouvement carrément indépendantiste avec l'affirmation de l'indépendance du Québec. Et là, évidemment, j'étais très périphérique à cela, mais j'ai eu des chances de contact et de spectacle je me souviendrai toujours de ce jour de la Saint-Jean-Baptiste où j'étais au Square La Fontaine. En face, il y avait la tribune où étaient Trudeau, Drapeau, etc. Quand les manifestants commençaient à les bombarder de diverses choses. Et j'étais à l'époque très indépendantiste. Et quand la police est venue à cheval nous charger avec son bâton et qu'on s'est dispersé en courant à travers le parc La Fontaine, c'est des grands souvenirs d'une période où on sentait que le Québec bougeait. C'est l'époque aussi où les jésuites et d'autres prêtres se sont défroqués, les religieuses aussi, certains se sont mariés les uns avec les autres. C'est l'époque où l'on a laïcisé peu à peu l'enseignement et où... on a milité à l'Université de Montréal pour un recteur laïque, chose qui était presque blasphématoire. Un recteur laïque, vous vous rendez compte, un recteur laïque. Alors, il y avait toutes ces choses-là. Et en même temps, s'est passé quelque chose de plus important. C'est que on est passé de la notion de Canada français à celui de Québec. C'est-à-dire de notion d'un peuple à celui d'un territoire. Donc d'un pays qui doit s'affirmer sur son territoire, par son être. J'avais été très frappé en tant que Français venant dans un pays que je croyais francophone, de voir dans les rues de Montréal, tout était en anglais. Les rues de Montréal, c'était pas celles de maintenant. Elles ressemblaient à une mâchoire qui a perdu une partie de ses dents. Il y avait des petites maisons en briques entre lesquelles des parkings étaient les maisons détruites. Il y avait une sorte de gratte-ciel. Et puis, on construisait la gare centrale avec un grand trou où un jour on ferait le deuxième qui est devenu la place Ville-Marie. Tout le reste, c'était une ville plate avec cette espèce de pauvreté des banlieues américaines entourée de très jolies quartiers qui les entouraient, car qu'on peut changer, comme Westmount ou comme Outremont. Mais pour le centre-ville, il y avait ces vitrines qui ressemblaient à certaines parties de Broadway, où derrière une vitre sale étaient affichés tant d'objets complètement hétéroclites. Il y avait des rues où traînaient des robineux, comme on dit, des clochards. Il y avait
le quartier, le carrefour de la rue Saint-Laurent, de la rue Saint-Denis, malfamé. Il y avait les tavernes dans lesquelles on ne pouvait entrer que les hommes et dans lesquelles il y avait des écriteaux interdits de blasphémer. Et il y avait toutes ces choses-là d'un Québec qui maintenant paraît aboli et qui est si proche que, dans mon souvenir, quand je dis tout cela, j'en ai les images dans les yeux. Je revois ces quartiers, je revois ces maisons, je me souviens de ces restaurants au rez-de-chaussée de maisons de briques d'un étage ou au-dessus. Il n'y avait pas grand-chose entre deux parkings qui étaient des ruines de maisons. Alors il y avait un morceau de la rue Sherbrooke qui s'étonnait, et puis l'université McGill et les zones des Anglais. Alors là, et puis quand on allait vers l'Est, dans les quartiers canadiens-français, je sentais cette distance. D'ailleurs, c'est encore des zones qui parfois sont. Ma fille qui est allée faire une enquête de criminologie dans l'est de Montréal, on lui a dit, allez dans tel ou tel quartier, c'est là que vous pourriez faire une enquête de victimologie. Il reste quand même des traces, mais c'est d'un autre niveau, d'une autre. Alors il y avait toute cette époque-là, mais derrière, il y avait aussi une population qui prenait conscience d'elle-même et qui revendiquait de ne plus être obligée de travailler à mille dans une usine en anglais pendant que le patron seul était de langue anglaise, qui revendiquait de pouvoir être elle-même. Et le mouvement était très fort, très puissant, non pas comme une des vagues superficielles que soulèvent les orages partiels, mais comme la grande houle qui vient de loin et qui soulève tout un pays, tout un peuple. Et je me souviens qu'à l'époque, un de mes amis, Jacques Van Morin, s'occupait de la société Jean-Jean-Baptiste. Il était tout à fait anti-indépendantiste, alors plus tard il a changé. Mais nous avions de longues discussions, car à ce moment-là, j'étais devenu très vite indépendantiste. Et une des raisons qui m'a fait devenir indépendantiste s'est passée dans une réception à l'université McGill. Il savait qu'il y avait un anthropologue, enfin, à l'université de Montréal. Et donc, le département d'anthropologie m'a invité à un cocktail le jour où il recevait je ne sais qui. Je discute avec les uns, avec les autres, à l'Université of Montreal, you are very nice, etc. Et puis à un moment, je dis, oui, mais je ne connais pas bien, j'arrive de France. Oh, you are real French. What are you doing among those people? Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Alors là, mais venez donc à McGill. Je me suis dit, je suis l'arabe. C'était la guerre d'Algérie, je me suis dit, je suis l'arabe. Et si je suis l'arabe, je me révoltais. Et parce que véritablement, c'était ça. Et qu'en parlant avec un collègue que je ne veux pas nommer de cette université, je lui dis, mais les Québécois, les Canadiens français, dis-moi, je les ai seulement connus comme serveurs, comme servantes. Je me suis rendu compte que véritablement, c'était vrai. Et quand Vallière a publié son livre Nègre blanc d'Amérique, même si le titre choque maintenant pour des raisons politiquement correctes, il disait quelque chose de très juste. Et cela a diffusé dans les perceptions des gens. Les gens qui étaient dans le ghetto religieux de l'université de morale et des collèges classiques ont ouvert les yeux sur le reste du monde. Et là, ça a beaucoup branlé. Je pourrais compter beaucoup d'autres de souvenirs de cette émergence dans laquelle j'ai été pris. Et il y a eu évidemment le passage de Gaulle, qui a joué un grand rôle, qui a été très critiqué en France, mais quand on se souvient de l'accueil de Gaulle, qui tout le long du Saint-Laurent a mérité qu'on allume des feux, que l'on l'accompagne, la foule qu'il y avait, je n'y étais pas, son discours d'hôtel de ville, et l'impact que ça a eu sur place, et le fait que c'est peu après que René Lévesque s'est prononcé indépendantiste, peu après. Et je me souviens ce jour-là d'une balade que j'ai faite à pied avec Jacques Yvan Morin, et je lui disais, mais il faut devenir indépendantiste, etc. Il n'était pas convaincu. Puis il est devenu quand même le premier vice-premier ministre de chez René Lévesque quand ils ont fondé le Parti québécois, etc. Donc, il y a eu toute cette époque-là. Et l'anthropologie a émergé au milieu de cela, comme un bourgeon émerge au milieu d'une plante. Sans cette plante, il n'aurait pas émergé. Mais elle était là parce que. Pourquoi elle a émergé?
dès qu'on a commencé avec Guy Dubreuil à faire un programme qui s'appelait Programme d'anthropologie. Je reviendrai là-dessus plus tard, dans la faculté des sciences sociales, au sein du département de sociologie. J'ai commencé à voir arriver des gens qui venaient là parce que le mot anthropologie était un mot libérateur. Pensez que ma nomination à l'Université de Montréal comme anthropologue a été l'objet d'un article dans la presse, ce qui est impensable. Maintenant, un anthropologue à l'Université de Montréal, etc. Et ça a décloisonné des choses qui, jusque-là, c'était la fin du grand silence. Le grand silence, je me souviens de la façon dont Zabot me décrivait ça. Il me disait, à l'Université de Montréal, il y a deux sortes de professeurs. Il y a ceux qui marchent au milieu du couloir, c'est les clercs. Et ceux qui rasent les murs, c'est les laïcs. Et c'était vraiment ça. Et d'ailleurs, l'Université de Louvain, l'Université catholique de Louvain, a été la matrice des étrangers qu'on a fait venir en étant sûr qu'ils venaient de la bonne formation. Ils étaient recrutés par l'abbé Lacoste, lui-même docteur de sociologie de l'Université de Louvain, et qui a fait venir d'autres sociologues ou d'autres... Il a fait venir de Louvain, Denis Zabot, Otto Thur et sa femme, Nicolas Zay, toute une série d'enseignants marqués du bon sceau d'une université catholique. Mais ils ne savaient pas que ce n'était pas le même catholicisme qu'au Québec, et que ce n'était pas le même type d'université. Et alors, j'ai vu arriver comme cela des gens qui venaient trouver dans le langage de l'anthropologie quelque chose de libérateur, quelque chose qui n'était pas contre l'Église en tant que telle, mais qui était contre le langage unique, qui était aussi le regard sur l'ailleurs. Dans les premiers qui sont venus, il y a eu Claude Jutras, qui à l'époque était un jeune cinéaste prometteur qui s'intéressait à l'Afrique et avait commencé à former des cinéastes africains à l'Office national du film. Et puis il y a eu aussi des gens comme Gaston Miron, le poète, je me souviens de Gilles Vigneault dans les couloirs du département, me disant « moi je chante, vous savez ». Et puis, alors tout ça, cette nébuleuse culturelle, était attiré par l'anthropologie, sans bien savoir ce qu'il était, mais un peu papillon de nuit autour d'une lumière, dont ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, mais qui éclaire autre chose que l'obscurité dans laquelle ils se sentaient.